parti pour 3 jours de pur délire. Qu'est-ce que je fais pas pour déserter cette famille hein. J'espère qu'ils ont prévu des activités cool. Hein. Ah bah, à mon avis, vu le prix des 3 jours, hein, ils vont y mettre le paquet. Bah, heureusement qu'il y a la carte pour vous payer. Ils sont sérieux là? On est dans un camp réfugié là ou quoi? Je pense qu'une navette va venir nous chercher pour nous emmener dans le véritable camp. Bon, arrêtez. Ce sera peut-être une expérience différente, mais elle sera enrichissante. Mais pourquoi nos parents nous ont-ils fait ça? Ma mère avait reçu cette pub dans la boîte aux lettres. C'était pour mon épanouissement personnel ou un truc du genre. Bref, elle a dit que c'était bon pour moi quoi. Même pas ensemble. Non, tu rigoles. C'est quoi ce bordel? C'est qui Victor? Eh ben les vacances commencent bien. Ça te dérange si je prends celui-là? Non, vas-y. Et c'est la première fois que tu m'as? Oh oui. Oh. Super, hein, Snap. Bon, je reviens, je vais aux toilettes. Ouais, quoi? Ça te dit de venir faire un tour autour du lac? Désolée, je suis pas liée. Hein? Alors, qui c'était? Un gay. C'est quoi cette tronche? Bon bref, tu vas faire un baseball? Ouais, t'avais raison. Et est-ce que t'aurais... T'as vu ta tête? T'as vu la tienne? C'est pas possible. On est sosie ou quoi? Attends, ta date de naissance? Le 15 août? Mais on n'est pas sosie. Nous sommes jumeaux. Jumeaux? C'est bizarre ce que je ressens, mais je me suis jamais réellement sentie chez moi dans ma maison. Moi aussi je ressens ça. Comment elle est ta famille adoptive, toi? Ah bah, mon père il est pas souvent là et ma mère elle est stressée, psychorigide de nature. Ah ouais, bah moi c'est tout l'inverse. Mon père il s'est barré avec la caissière du quartier. Et ma mère, elle pense plus à ses allocs qu'à ses enfants. Tu crois qu'on devrait leur dire qu'on s'est retrouvés? Ah non, non, surtout pas. Ils pourraient nous empêcher de nous voir. Et notre vraie mère? Pourquoi crois-tu qu'elle nous ait abandonnés? J'en sais rien, mais nous trouverons la réponse. Bon, allez, allez les enfants, le bus va partir sans vous. Bon, tu te souviens? On se retrouve demain à l'orphelinat pour commencer nos recherches. Ok, ça roule. Kevin, mène-toi, le bus part. Allez, dépêche. Enfant des Antilles, enfant des Antilles, enfant des Antilles. Bah alors, c'était comment ton truc? Très enrichissant. Ça veut dire quoi ce mot? Monsieur Slajou Intello. Au fait, maman, vu que c'est bientôt mon anniversaire, tu crois que tu pourrais m'offrir le bâton de rouge à lèvres que j'ai vu à Lidl? Bah écoute, en serrant la ceinture, on devrait pouvoir y arriver. Dis-moi, Kevin, t'as apporté tout ce que je t'ai demandé? Ouais, alors, j'ai piqué du PQ, j'ai pris tous les distributeurs de savon, et j'ai même pensé aux serviettes de bain de la piscine. Et t'as oublié les dosettes de sucre? Ah ben... Ah ben bravo, ben bravo! Bah tu vois, Aurore, bah ton bâton de rouge à lèvres, tu pourras l'attendre. Et t'as qu'à remercier ton frère. Ah mais quel égoïsme et quel imbécile. Alors,
C'était comment chez les pauvres? Ma chérie, un peu de respect s'il te plaît. Hein. La femme de ménage pourrait t'entendre. Vous m'avez appelé, madame? Non, non, non. Continuez donc à récurer le parquet. Je peux changer le chiffon, madame? Ça fait deux fois ce mois-ci, hein. Vous déteignez dessus ou quoi? Le prochain, je retiens sur votre paye. Que j'aime travailler pour vous, madame. J'ai aussi fait tomber une pomme de terre par terre. Vous la ramasserez, je vous prie. Qu'il est bien élevé. Une saloperie, oui. Je pourrais avoir une vodka. Grand-mère, c'est tout de même votre sixième. Contrôlez-vous un peu. Ben, j'ai soif, hein. Alors, ça va, mon Jean? Nickel, et toi? Prêt à en savoir plus? Prêt. Tiens, vous ici, et sans votre mère. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de service après-vente ici. On ne vous reprendra pas. Non, je... N'oubliez pas que vous êtes à deux doigts de vous faire renvoyer à l'orphelinat si vous ne vous tenez pas à carreau. Oui, madame Legault. Et dites à votre mère qu'il est parfaitement inutile de m'envoyer des casses à vin. On ne m'achète pas. Et surtout pas avec de la piquette. Mais c'était du monde, madame Legault. Oui, et bien la prochaine fois, qu'elle s'abstienne. De toute évidence, ce n'est pas une grande copie. Bonjour, madame. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, voilà. J'ai été adoptée il y a 11 ans et... Non, non, je coupe tout de suite. Je peux rien vous dire. Je suis tenue au secret professionnel. Vous avez beaux yeux, vous savez. Vous moquez de mon strabisme, c'est ça? Non, j'oserais pas. J'espère. Par contre, si vous voulez, ce soir, oui, je suis libre. Ah oh ouais, j'y pensais. Mais attendez, vous avez même pas mon numéro. Oh, j'ai pas jaune. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Notre mère s'appelle Sonia Deschamps et notre père a souhaité rester anonyme. Sympa. Et ta mère, elle vient te chercher à quelle heure? Dans un quart d'heure, et toi? Pareil, faudra qu'on fasse gaffe. Vite, vite, cache-toi, bouge pas. Hey, salut, vieux. Mais qu'est-ce que tu fais? On ne voit plus du tout. Tu nous snobes ou quoi? Mais qu'est-ce que... Tu n'as plus une minute pour nous. Je dois aller chercher un truc là-bas, dans ce magasin, là, Chez l'antiquaire? Oui. Oui, oui. Eh ben, je sais pas. Mais comment t'habiller? Mais c'est quoi cette coiffure, là? Non, mais pas vous, Edouard. Toi, tu viens. Qu'est-ce que tu fais? T'es plus avec nous. Qu'est-ce que tu voulais acheter dans ce magasin? Des bols en solde. Je crois que j'ai la nausée. Ça doit être l'odeur des soldes. Bon, on s'appelle et on se fait un petit gol. Oui, enfin, si t'as le temps. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Pardon, on se connaît. Bah, arrête de faire l'imbécile. Tu fais ça pour me couvrir. Allez, cours! J'ai tout vu, hein. J'ai tout vu. Ça sera écrit dans le rapport. Cette odeur de liberté. Oh, moi, je sens plutôt l'odeur du Paris-Brest. Hein. Ça me donne faim. Eh, regardez. Il y a une photo de nous. C'est pas mon meilleur profil, hein. Ouais, ils auraient pu prendre une photo, on souriait quand même. Bon, je vous rappelle que notre but, c'est de trouver un enfant et de le kidnapper pour obtenir une rançon. Mais un enfant mineur? Non, non, un enfant majeur. Ah, je préfère n'en avoir de problème si on se fait gauler. Mais pauvre nouille, on se fera pas gauler. On se fait toujours gauler. Poppy? Oui? La ferme. À la fraise, je peux lécher? Oui, bah vas-y. Tu crois qu'elle en voulait? Un peu chaud quand même, hein?
Allez, va à la douche, là. Qu'est-ce qui pue ? Zelda, allez brûler ces fringues, là, et passez-le à l'alcool à 90. Bien, madame. Ah ben, ça va pas être possible, hein. J'ai tout sifflé cette nuit. Wow, cette chambre. Ah bon ? Non, là. Bon, je vais vous apporter vos nouveaux habits. Non, laissez, c'est bon, je vais m'en occuper. Pardon ? Ouais, ouais. Bon, donnez-moi votre caleçon que je le brûle. Mais non. Mais si. Mais non. Oh, regardez. Désolée, mais moi, je n'ai pas envie de finir la live. Mais ils sont complètement barges dans cette famille. Puis-je me laver les mains? Ben fiston, t'es malade! Georgina, va me chercher le thermomètre. Ton frère, il délire. Ah, mais je m'en suis servi ce matin et du coup, c'est con, ils ont coupé l'eau, alors ben, je l'ai pas lavé. Ben, ça fait que 4 mois de retard! Normalement, ils coupent au bout de 6! Bah, mets-y un coup de sopalin, on n'y verra rien. Non, y a plus de sopalin, je vais finir cette nuit. Y avait plus de PQ. Je vais vomir. Oui, allô? Oui, est-ce que Victor est disponible, s'il vous plaît? Oui, oui. Je vous le passe. Qui dois-je annoncer, s'il vous plaît? Monsieur Le Glodin. Bien. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez... Mais... Qu'est-ce que vous faites ? Je vérifiais qu'il y avait le bon nombre de mouchoirs, parce que ils nous la font à l'envers et parfois, ils essayent de nous carotter. Carotter ? Bon, bref. Vous avez un interlocuteur. Où ça ? Tenez. Ouais, allô, c'est Victor. Victor ? Mais comment t'as eu mon numéro ? Mais c'est le mien, Nico. Hein ? Et ta famille est complètement barge. Ou la tienne n'est guère mieux. Oui, mais c'est ma famille. Oui, et moi, c'est la mienne. Bon, maintenant, comment on fait ? Eh ben, rejoignons-nous à la piscine vers 14h. Je vais voir ce que je peux faire s'il en reste au moins quelques centimes. Je dois raccrocher, ma famille. Ça vous dit d'aller à la piscine demain? À la piscine municipale? Non mais tu plaisantes. C'est pas là où on attrape des poux? Oh mais ça va être le délire. Des quoi? Eh ben moi, du moment que j'ai mon déca. Y a pas de vraies céréales au chocolat ou... Et voilà, au chocolat, fais maison. Bon, j'ai plein de nœuds partout là et on peut même pas se laver. Oh, je commence à sentir la mort. Faut pas que j'écarte les bras. Bah, allez au camping d'en face. J'ai une idée. Nous n'avons qu'à aller à la piscine municipale et comme ça, ça nous lavera. Mais avec quel argent, pauvre débile? Il y a quelques années, j'ai creusé un trou pour rentrer gratos. J'espère qu'il y a encore. Bonjour, Victor. Ceci est une intervention. Hein ? Ça fait des jours que tu nous ignores. On n'existe plus pour toi. Que t'arrive-t-il ? Eh, mais vous avez fondu les plombs ou quoi ? Quoi ? Non, je peux pas aller dans cet état. Je m'en vais. Reste ici. Ce n'est pas fini. Notre ami nous manque. Tiens, bonjour. C'est que vous venez à la piscine avec nous cet après-midi ? Oh bah oui, pourquoi pas ? Ça pourrait être comique. Ah, je savais bien que mon intervention fonctionnerait. Vivez heureux avec Dieu. Aimez-le. Ne pensez qu'à lui seul. Ne cherchez autre chose que lui. Ne vous occupez que de lui. Ne respirez que de lui. T'as pas bientôt fini de faire l'imbécile ?
Dieu te voit. Bah, elle est où? Bah, t'as pas une bouteille de vodka? Maman, prout. Profites-en pour te repentir de tous tes péchés. J'ai soif. Chut. Qui es-tu? Ben, c'est Victor. Ah non, il la fait pas à moi. J'ai travaillé avant à la FBI. Sérieux? Ben, tu vois, tu n'es pas Victor. Qui es-tu? Je suis son jumeau. Ah. Victor a un jumeau? Mais on se croirait dans le film des jumelles Olsen. Oh, j'adore. Merci mon cœur pour cette si belle prière. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah attends, on va à la piscine cet après-midi, gratos. Mais... Merci, pas vrai. Je peux prendre un... Bah non, faut attendre la fin du mois. Bah qu'est-ce qu'on fait ici alors? Bah on attend la fin du mois. Bougez plus. Mais qu'est-ce que... Chut. Oui, yes, jackpot. Et 20 centimes. Bon alors, t'en es où dans ton statut d'handicapé là? Parce que moi, il me le faut là pour augmenter ma sécu. Bah écoute, j'y travaille, hein. La semaine dernière, j'ai sauté 2 mètres de haut, ça m'a rien fait. Je crois que je rebondis. Oh, le gros coup! Oh, le gros coup! Oh, le gros coup! 1, 2... Alors c'est ça une piscine publique? Bonjour, moi Robert. Vous n'aurez pas de la crème solaire pour moi, madame? Là, je me trouve un peu blanche. J'ai peur d'attraper un coup de soleil. Oh là là! Allez, viens! Toi tu passes. Hep. Pour vous, ça sera 5 euros. Hey, investissement à long terme. Youhouhou, c'est Noël. Trafic illicite. Intéressant. Pour vous aussi, ça sera 5 euros. Ah, t'es là. Oh, mais vite, saute! Ah, ça fait du bien de passer une journée ensemble. Mais, t'as changé de maillot de bain? Ouais, mais tu sais, j'adore me changer 2 ou 3 fois. Tu sais, cette eau, on sait pas trop si elle est hygiénique. Putain, ta mère nous a fait payer trop cher. J'ai niqué mon argent de poche de l'année, maintenant. Bah, t'as changé de short? Non, je voulais un mec là-bas. Cool. Des jumeaux. Voilà ce qui est extra. Enfin, ça fait quand même 2 fois plus de nourriture. C'est pas que je suis pas partageuse, mais bon. J'entends des bruits de cloche, hein. Ah, ben non, c'est dans ma tête. Mais non, pauvre cruche. Des jumeaux, ça veut dire 2 fois plus de récompense. Oui, ben ça veut quand même dire 2 fois plus à manger. Tiens, voilà notre cible. Là. C'est clair, ça vous change du PMU. Hein.
On se connaît? Oh, c'est pas elle. Je crois que je me suis trompée. On va boire un verre? Ouais. Puisqu'il faut se débrouiller par soi-même, hein. À ta santé! Ah, en fait, tu lis-tu? Victor, est-ce que... Je vais tout vous expliquer. Ah, ça fait du bien de retourner chez soi. Ah ouais, puis en plus, je commence à sentir l'eau de Javel. Écoute, voilà ce que j'ai trouvé. Apparemment, notre mère travaillerait dans ce laboratoire. Attends, tu veux dire que si ça se trouve, elle est juste là? Ouais. Encore toi? Tu ne m'as jamais rappelé. Mais en même temps, on ne t'a jamais décroché. J'étais tout le temps à côté de mon téléphone. Et vous êtes deux maintenant? Que faites-vous là? Vous ne travaillez pas à l'orphelinat? Bah si, j'ai plusieurs boulots. Faut bien payer son loyer. Bon, bref, on voulait savoir si une certaine Sonia Deschamps travaillait ici. Oh, mais vous n'êtes pas au courant? Non. Elle est morte. Eh oui, paix à son âme. C'était une grande dame. 1m78. Mais... Désolée. C'est bizarre, je me sens comme un vide maintenant. Ouais, moi c'est pareil. Oui, allô, j'écoute. Oh. Allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? Oui, excusez-moi, c'est la bonne qui a eu un petit coup de chaud. Quoi? 100 000 euros de rançon? Non mais... Est-ce que vous prenez la carte bleue? Allô? Allô? Maman? Ouais? Y'a le téléphone qui sonne! Tiens, ils nous ont pas coupé la ligne! Ouais! Une quoi? Hein? Ah, je suis flattée que vous preniez pour un milliardaire, mais c'est loin d'être le cas! Ben, gardez-le, hein! Allô? Allô? Vous êtes qui, vous? Vos pires ennemis. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Mais vous ne reconnaissez pas? On est les ravisseurs les plus recherchés de la Creuse. Waouh, j'ai peur. Ah mais il faut pas, hein. Tout va bien se passer. Oui, de toute façon, on se fait gauler à chaque fois. Bon allez, ça suffit là. Fini la pause, on est reparti. Et on peut faire un casse à McDo? Une oreille grave. Extrêmement grave. Il faut absolument qu'on les retrouve. Ça va pas être facile. Et quelqu'un a une idée? Non, mais on peut pas les laisser comme ça. N'oublions pas que l'union fait la force. Ben moi, c'est pas avec les bras que j'ai que je vais pouvoir beaucoup vous aider. J'ai peut-être une idée. Nous sommes cachés juste là, derrière les arbres. Pendant que les familles traiteront avec les ravisseurs. Mais vous êtes sûr qu'il faut pas prévenir les flics? Surtout pas, t'as jamais regardé Columbo, toi. Bon, reconcentrez-vous. C'est à ce moment-là qu'on les attrape. Voilà. Oh, j'espère que ça va pas mal tourner. J'ai pas envie d'avoir un casier judiciaire, moi. Moi non plus. Bon, il ne reste plus qu'à prévenir les familles qui sont deux. Ça va pas être de la tarte. Bon, voilà le camp. Et y a même pas de fast-food. Non mais pauvre cruche, faut qu'on soit seul. Je m'en fous, de toute façon, j'ai des conserves.
croyais qu'il y a beaucoup de moustiques ici. Non, parce que j'ai oublié d'amener mon 5 sur 5. Bon, vous les surveillez, je vais faire le guet. Ah, parce que t'es lesbienne, toi, maintenant. Bah, moi, je l'ai toujours dit. Donc voilà, vous savez tout. Victor a été adopté? Donc nous aussi on a été adoptés? Non, 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 il n'y a que lui. Mais j'étais pas au courant qu'il avait un jumeau, sinon je les aurais pas séparés. Ça va aller, maman? Oui. Un petit remontant? Ne vous inquiétez pas, tout se passera très bien. Le plan des jeunes a l'air fiable. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà toute l'histoire. Il a été adopté? Ouais, bon, ta gueule, hein, toi aussi. Et moi, maman? Non, toi, c'était avec Rodrigue. Summer 95. Nous gambadions sur la plage. Et nos regards se sont croisés. Ça a été le coup de foudre. D'ailleurs, après, j'ai jamais revu. Mais bon, trois enfants, c'est le bon plan pour la CAF. Je me suis dit que c'était pas trop mal. Bon, qu'est-ce que vous pensez du plan? De toute façon, on n'a pas le choix, on n'a pas un rond. Remarque, avec des jumeaux, t'imagines tous les coups fourrés qu'on pourrait faire? Ah, mais ces moustiques, il y en a trop. Mais n'importe quoi, il y en a aucun. Bah ah, si, il y en a plein, pourtant j'arrête pas de mettre du 5 sur 5. Fais voir. Mais c'est de l'eau sucrée, pauvre con! C'est normal que tu les attires tous, là! Ça vous fait rire, hein? Je crois qu'il faut que j'aille aux toilettes, là. Trop de cassoulet, je crois. Ah ben c'est bon, épargne-nous les détails. Bah, je vais me vider, je reviens. J'espère que vous y êtes pour rien, là, tous les deux. Non, non, non. Oh putain, j'ai la chiasse, hein! M'attendez pas! Bonsoir, vous êtes la famille du deuxième, si j'ai bien compris. Bravo, Sherlock Holmes. Ouah, la baraque de ouf. Madame, j'ai peur. J'ai rassemblé toutes mes économies, mais j'ai pas tout. Vous avez pu ramener quelque chose, vous? Attendre. Pas très ponctuel, les gangsters. Bon, quoi? Il parle latin, votre fils? Chapeau, hein. Oui, oui, ça doit être ça. Mais que font-ils, là? Vous les avez bien prévenus, comme convenu. Hein? C'était à moi de les prévenir? Oups! Je sais pas ce que j'ai, là, je suis crevée. Ça gratte. Bon, bah, je crois que je vais passer la nuit ici, moi. Tu penses à ce que je pense? Oh oui, frangin. Je suis vraiment désolée. Bon, on recommencera demain. Maman, il me manque déjà Victor. Vous inquiétez pas, il va revenir. Oh, mon chéri.
pas. Avec mon frangin, on forme une équipe de choc, pas vrai? Oh oui. Maman! Désolée, que voulez-vous? Une vraie klepto. Je viens d'avoir des informations. Je m'en voulais un petit peu d'avoir contribué à votre séparation dès la naissance, même si j'étais pas au courant. Oh maman. J'ai fait appel à un détective privé. Votre mère n'est pas morte. Elle travaille bien dans ce laboratoire. Allez, on y va. Ça te dérange pas au moins? Non mon fils. Foncez. Je t'aime. Moi aussi maman, je t'aime. Ouais, bah moi on me dit rien. Bah, j'espère que ça va pas me faire perdre mes allocs. Bonjour, maman. Victor? Enfin, si on peut dire maman. Kevin? Je vais tout vous expliquer. Regarde, Victor. Dossier expérience jumeau XY par Sonia Deschamps. Ne lisez pas ça. Nous sommes une expérience, Victor. Elle nous a créés pour ça. Pour une expérience. Quoi? C'est pas ce que vous croyez. Depuis votre enfance, je suis proche de vous. Il n'y a pas un seul jour où je ne regrette pas d'avoir dit oui à cette expérience. Quelle expérience? Sur les liens qui existent entre deux jumeaux malgré leur séparation et leur mode de vie opposé. Cette expérience est primordiale pour les codes de la génétique. Et si j'arrive à mettre la main dessus... Assez! C'était donc toi dans la forêt. Mais pas dans le but de nous aider. Mais pour te servir de nous. Vous ne voyez pas les choses comme ça. Allez, viens, on s'arrache. Tu t'approches plus de nous. Kevin, ma famille aujourd'hui, c'est eux et toi. Et j'ai pas besoin d'une autre mère. Et comme on est jumeaux, je partage ton opinion. Hey! Assalam alaikum, ici c'est Monsieur Tambola. En boîte de nuit, tu es toujours assis. Tu sais pas danser le logobi ou la tiriri. C'est pas grave, celle-là, c'est pour toi. Quand t'as sauté, quand t'as sauté, doucement, mais fais doucement. Position à deux, position à deux, c'est bon ça, c'est bon ça. Mitraillette à droite, mitraillette à gauche. Position à deux, position à deux, c'est bon ça, c'est bon ça. Mesdames et messieurs, la danse qui va arriver, c'est la danse de Chant de Paul suivie de la danse de Thierry Quentin. 1, 2, 3, 4! Hey! Chant de Paul, Chant de Paul, Chant de Paul, hey! Chant de Paul, Chant de Paul, Chant de Paul, hey! Chant de Paul, Chant de Paul, Chant de Paul, hey! Chant de Paul, Chant de Paul, Chant de Paul. Thierry Quentin, Thierry Quentin, Thierry Quentin, Thierry Quentin, Thierry Quentin. Tu es content. Stop! Mesdames et messieurs, après Chant de Paul et tu es content, tu reprends ta corde à sauter. D'accord? 1, 2, 3, 4! Corde à sauter, corde à sauter, doucement, mais fais doucement.
position, à deux positions, à deux, c'est bon ça, c'est bon ça. Mitraillette à droite, mitraillette à gauche. Position, à deux positions, à deux, c'est bon ça, c'est bon ça. Si tu sais pas danser, le logo Tombola va te montrer comment on danse ici. Si tu sais pas danser, le logo Tombola va te montrer comment on danse ici. Stop! Donc maintenant, tu prends ta corde à sauter, tu fais doucement, tu te mets en position et c'est bon ça. 1, 2, 3, 4! Corde à sauter, eh, eh, corde à sauter, eh, eh, doucement.